visite ce matin de la mairie de Stockholm, un bien curieux bâtiment qui a été construit il y a une centaine d'années et qui a un mélange de plein de styles différents, notamment médiéval, renaissance, mauresque, avec une grande diversité d'intérieurs, notamment un gigantesque hall en mosaïque. En ce jour pluvieux, visite du Halloween Museum, qui est une ancienne demeure bourgeoise du 19e siècle, construite par une famille de riches entrepreneurs et qui ont accumulé une grande collection d'art qu'ils ont finalement légué au gouvernement suédois pour en faire profiter le plus grand nombre. Petite curiosité locale, ils aiment bien répéter à l'excès le nombre à l'entrée des bâtiments. Là par exemple, on peut le dire 4 fois. Et oui. Ma chambre est encore dans un bateau. Sauf que celui-là ne bouge pas du port de Stockholm. Alors c'est un peu petit, mais bon, j'ai l'habitude. Et aujourd'hui, direction Waxholm, une charmante petite île située à 1 heure en bateau de Stockholm. Le musée de la marine de Stockholm est plutôt intéressant. Il comprend
deux parties, une première partie muséale avec notamment des reconstitutions d'intérieur de bateaux historiques et une deuxième partie dans le port de Stockholm avec de vrais bateaux qui ont été préservés, notamment des bateaux militaires, un bateau phare et un brise-glace de 1917 sous lequel je me trouve. Et pour continuer sur la thématique maritime, visite du musée Vasa, un musée consacré au bateau du même nom qui a sombré en 1628 dans le port de Stockholm et qui a été renfloué en 1961 et dont la visite a été rendue possible grâce à de nombreux travaux fastidieux de conservation.